Je suis fatigué. C'est quelle manière ça? En fait, moi je ne savais pas que affaire de foyer là était comme ça. Je m'en fous. Donc comme tu es fatigué, tu mets mes parents dehors. Je mets ça dehors. Mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Le pire là, c'est chez tes parents là-bas. Je peux pas accepter. Tu veux le vivre ça chez tes c'est parents là-bas. C'est pas comme ça, tu m'as mise. Tu m'as pris chez mes parents. Tu vas où ça? Je m'en vais chez moi. Et chez toi, c'est où? Là-bas. Attends. Quitte là-bas. C'est quelle manière ça? Je veux pas te voir ici. Je veux pas te voir ici. Faut pas me laver. Hop là, rentrez chez vous là-bas. C'est quelle manière ça? Attends, il est passé. Je vais t'accompagner quoi? Il est passé. Toi, tu vas. Tu as vu ce que tu fais là? Tu peux pas rentrer ici. J'ai dit ça à mes parents, tu vois, non. Il a le dit. Va leur dire ça. La manière dont tu me m'attends chez toi ici là, il a le dit. Va leur dire ça. Il a le dit. C'est quoi ça? C'est un dit quoi? C'est comme ça on fait les choses. Quand tu venais là, c'est comme ça que tu étais ici? C'est comme ça que tu fais, non? C'est comme ça que tu fais, non? De monter. Monsieur, il y a quel problème? Descends ici! Je descends pas! Je descends pas! Descends! Je descends pas! Voilà. Monsieur, c'est ma femme! Hein. Je descends pas! Au volant des femmes! Tu n'as pas dit que tu n'es pas de moi! Descends! Mon ami, c'est ma femme! Et puis la voiture! Oh, descends! Il a la voiture! C'est quoi sa voiture? Oh, volant des femmes! Volant! Voilà tes femmes, il a volé ma femme de l'air, voilà! Je m'en fous! Yeri! Voilà tes femmes, voilà! C'est ça, Yeri! Étant en colère, il peut mettre ses bagages au dehors, mais cela ne veut pas dire qu'on n'est plus ensemble. Je peux même faire semblant de la chasser, ou même pas forcément semblant, la chasser. Mais cela ne veut pas dire que non, que c'est de mon cœur. Devant le peuple, il dit va, mais c'est peut-être que c'est de mon cœur. Et lorsqu'on fait cela, elle peut revenir me demander pardon. Mais dans ma colère, ou peut-être que mon bébé Gatia, toi tu avais pris ma femme devant moi en disant que non, j'ai chassé ma femme. Non, je ne veux pas accepter cela. Non, moi je ne veux pas rester avec la dame. Parce que moi je me dis qu'avant l'histoire d'aujourd'hui, il y a eu quelque chose entre elle et puis le voisin. Sinon, le voisin ne peut pas se lever comme ça, venir ramasser ses bagages. Au moins si le voisin vient intervenir dans l'histoire à la maison pour dire, ah, essayez de laisser tomber les histoires et tout. Je peux comprendre, mais le voisin qui vient, qui ramasse directement ses bagages, qui l'amène chez lui, c'est qu'avant l'histoire, là, il y avait quelque chose entre eux. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Donc moi, je ne peux pas. Je les laisse partir. Il n'a qu'à partir avec la femme. Là. Il a cherché une nouvelle femme. Devant cette situation, je crois bien que je vais, illico presso, récupérer ma femme. Parce que la colère que j'ai manifestée en mettant les affaires de ma femme dehors, c'est une colère noble, c'est pour montrer d'une part à ma femme, à mon épouse, que je l'aime, que j'ai eu mal. C'est pour cela que j'ai manifesté ça par cette action de mettre ses bagages dehors. Non. Mais je ne peux pas, c'est pas possible de ne pas rester avec cette femme. Pourquoi? Parce que moi, je mets les bagages de ma femme dehors, et puis le voisin la prend dans sa voiture, et moi, je m'interpose, et puis elle refuse. Au moins, ça, moi, le voisin devait venir me demander des explications. Mais c'est pas comme ça, il prend la femme et il s'en va. Donc pour moi, il va prendre la femme en même temps pour partir. C'est pas.